Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission sur interprétation des rêves. Nous allons parler ce soir ou ce matin, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur les rêves indicateurs de l'appel divin. Quels sont les rêves qui montrent que Dieu t'a appelé? Voilà, merci d'aimer notre vidéo, de commenter et surtout de partager. Voilà, prions pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Enseigne-nous ta parole, édifie-nous Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Job 33, le verset 14 à 15. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai avec moi la version Louis Segond. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Les rêves sont un moyen de communication. Les rêves sont de révélation divine. Au travers de tes rêves, tu peux connaître si tu as l'appel divin ou pas. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissance. Voici 12 rêves indicateur de l'appel divin. 12 rêves qui montrent que Dieu t'a appelé au ministère. Premier rêve, c'est le rêve de recevoir la Bible. Si tu rêves souvent, tu reçois la Bible. Cela veut dire que Dieu te fait confiance avec sa parole. Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Ça peut être aussi le signe que Dieu te prépare au ministère de la parole. Deuxième type de rêve qui montre l'appel divin, c'est rêver de prêcher. Quand tu rêves souvent que tu es en train de prêcher, cela montre que Dieu t'appelle au ministère de la parole. Dieu t'appelle à répandre sa bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui prêchent Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Troisième type de rêve, c'est rêver des anges. Hébreux 1, le verset 14. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Quand tu rêves souvent des anges, c'est l'indication de la visitation divine. Ça veut dire que Dieu envoie ses anges pour te communiquer un message. Un message divin. Alors, il est très important de faire attention au message que tu reçois. Et cela demande souvent le discernement. Si tu reçois un message spécifique, cela ne doit pas contredire la parole de Dieu.
car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et n'oubliez pas que le diable se transforme souvent en ange de lumière. Quatrième type de rêve qui montre que l'appel divin est sur toi, que Dieu t'a appelé, c'est rêver d'être loin. Par votre pasteur ou par un homme de Dieu. La Bible dit, tu verses sur moi, sur ma tête l'huile et ma coupe déborde. Quand tu rêves que tu es loin par un homme de Dieu, cela veut dire que Dieu a répandu sur toi son onction et Dieu t'appelle. Il veut t'équiper pour t'envoyer. Dieu t'équipe pour de grandes choses. C'est très important pour toi d'être enseigné afin d'être efficace. Cinquième type de rêve. Rêver d'être enseigné par un homme de Dieu ou par son mentor. C'est souvent le rêve qui montre que Dieu te prépare au ministère. Et c'est très important pour toi de faire attention à cet homme de Dieu. Dieu peut peut-être te dire que ton ministère doit s'inspirer de cet homme-là. Par exemple, si cet homme a un ministère de délivrance, ça veut dire que Dieu t'appelle au ministère de délivrance. J'ai reçu le cas d'un frère qui m'avait souvent vu dans les rêves, en train de l'enseigner. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mon frère, Dieu t'appelle au ministère de délivrance. Quand souvent tu vois dans les rêves un homme de Dieu en train de t'enseigner, ça peut souvent être un message caché que Dieu t'appelle à exercer le ministère comme cet homme de Dieu-là. Si cet homme de Dieu a un ministère de guérison, ça veut dire que Dieu t'appelle au ministère de guérison. Si cet homme de Dieu-là a le ministère d'évangélisation, ça veut dire que Dieu t'appelle à l'évangélisation. Sixièmement, rêver de prier pour les autres. Tu rêves, tu es en train de prier pour le malade, ils sont guéris. Tu pries pour des gens, ils sont en train de tomber. Et moi, personnellement, j'avais souvent ces rêves-là, où je me voyais en train de prier pour des malades qui étaient guéris, des gens qui tombaient. Souvent, c'est le signe que Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Que Dieu t'a donné la puissance pour guérir le malade, pour chasser les démons. Par contre, quand tu vois dans les rêves, tu pries pour des malades, ils ne sont pas guéris, tu chasses les démons, et les démons ne partent pas, cela veut dire que tu manques de puissance, tu es faible. Tu dois demander la puissance du Saint-Esprit. Ma prière, que Dieu t'accorde sa puissance pour faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Donc souvent, c'est les signes que tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Septième type de rêve, c'est le rêve de porter une couronne. Souvent, la couronne représente le leadership. Quand tu vois dans les rêves, tu portes une couronne, c'est le signe que Dieu t'appelle au leadership. La couronne représente la royauté et l'autorité. La Bible dit, par la sagesse, les rois règnent. Dieu te fait confiance et veut que tu puisses régner. Huitième type de rêve, c'est les rêves de trône. Où tu te vois dans une salle, où il y a le royaume, où il y a le trône.
c'est souvent les signes que Dieu t'appelle à les servir d'une façon unique. Tu dois servir le trône de Dieu. Et souvent, ça demande une vie d'obéissance et de fidélité. Neuvième type de rêve, c'est rêver de la croix. Quand tu vois la croix, le message est simple. Dieu t'appelle à être évangéliste, à amener les gens à la croix. Le message de la croix, c'est le message du salut. La croix est symbole des sacrifices, de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Ça veut dire que tu as été choisi pour répandre le message de la croix. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Dixième, rêve d'entendre une voix te parler. C'est l'indication que Dieu t'appelle pour un but précis. Le plus important, c'est ce que dit la voix qui te parle. Si cette voix contredit ou viole la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si cette voix te donne des instructions, ces instructions doivent être en accord avec la parole de Dieu. Souvent, c'est aussi un signe d'un message divin que Dieu te donne pour ta destinée. 11. Rêver d'échelle ou d'escalier. C'est l'indication que Dieu t'appelle à une dimension élevée sur le plan spirituel. Dieu veut que tu montes très haut et que tu puisses gravir le marche. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. 12. Enfin, rêve d'attraper le poisson. Le poisson représente la provision divine pour répandre la bonne nouvelle. Le poisson aussi peut représenter les âmes. Jésus a dit de Pierre, suis-moi et je ferai de toi pêcheur d'hommes. Quand tu te vois, tu attrapes beaucoup le poisson. Ça veut dire que Dieu t'appelle à gagner beaucoup d'âmes. Et souvent, c'est le signe aussi que Dieu veut ouvrir des portes pour que tu puisses partager la bonne nouvelle. Seigneur, merci pour ton peuple. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont vu ces différents rêves. Aide-les à comprendre leur appel. Aide-les à entrer dans les rappels. J'ai prié pour que tu puisses équiper ce que tu as appelé, que tu puisses les doter de la puissance du Saint-Esprit afin qu'ils puissent être efficaces dans leur ministère. J'ai béni ton peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous sommes un peuple qui rêve parce que la Bible dit: dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles auront des visions. Et pour comprendre bien le message de tes rêves, il y a des livres que nous avons écrits qui vont t'aider à approfondir. Quand tu as des rêves, mon frère, ma soeur, n'aie pas cette habitude d'aller sur Google. À Google, il y a tout. Il y a des charlatans qui interprètent les rêves. C'est pour toi, c'est très important pour toi d'avoir des livres chrétiens qui vont t'aider à comprendre le mystère de tes rêves et comment il faut prier. J'ai un de livres sorti de prison de sorcellerie. Je parle de rêves qui montrent que ta vie est enfermée et comment il faut sortir. 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle par exemple de l'argent. Je parle des clés, je parle de fruits, je parle d'habits qui viennent porter un habit neuf dans les rêves.
j'ai pas de chaussures. Pourquoi tu te vois marcher pieds nus dans tes rêves? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ces livres. 10 rêves le plus fréquent du corps humain. Je parle de la nudité, ça veut dire quoi? Se retrouver nu. Ça veut dire quoi les cheveux? Tu te fais tresser la nuit. Tu vois, tu perds le sang. Ça veut dire quoi? Et comment il faut prier? Cet insecte nuisible dans nos rêves, les abeilles, les mouches, les cafards, les poux, les moustiques, quelle est l'interprétation et comment prier par rapport à ces différents rêves? Sept phénomènes fréquents dans nos rêves. J'ai parlé du phénomène des eaux. J'ai parlé du phénomène du mariage. Tu te vois toujours la nuit, tu te maries, mais tu ne vois pas l'homme. Et dans la vie réelle, tu n'arrives pas à te marier. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ces livres. 10 lieux dangereux dans nos rêves. Je parle de certains lieux comme une ancienne église où tu as quitté, mais tu te vois toujours là-bas. Je parle du village. Tu as quitté le village, mais tu te vois toujours au village. Alors, il y a des numéros qui sont au bas de votre écran. Écris-moi à ces numéros WhatsApp. Je te dirai comment recevoir ces livres. Ils sont disponibles en version PDF, mais aussi en version papier à partir de Bruxelles. Voilà, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.